Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour une présentation rapide de cette nouvelle gamme de véhicules Star Wars que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en magasin. C'est la gamme Micro Galaxy Squadron de la marque Jazzware. Pour l'instant, je ne les ai trouvés que chez Jouet Club, donc ça doit être une exclusivité. J'ai voulu voir ce que ça donnait, donc je me suis pris le X-Wing. Déjà, pour commencer la review, un bon point pour le packaging. Ça compte énormément. Une belle boîte, une belle présentation. Et là, on voit les personnages dans leur petit insert. Le véhicule un peu penché, franchement c'est très joli, avec une magnifique fresque avec des T-Fighters qui sont tirés dessus. Non, c'est très joli. Si je retourne, on voit le véhicule présenté et quelques autres modèles de la gamme. Allez, on l'ouvre. Hop, j'ai triché, moi j'avais déjà développé. Nous avons affaire donc à des véhicules qui sont environ au 1 centième. Les personnages, eux, par contre, ils font 1 pouce de haut, soit 2,54 cm. Hop, je sors le Luke Skywalker. Tac, magnifique. Voilà, donc environ 2 cm, 2 cm et demi. Ça fait des jolis petits persos. On va l'avancer, je sais pas si ça marchera là, peut-être plus là. Non, et ben on va faire comme ça. Hop, téléphone portable, bonjour. Le petit bouton là-dessous qui permet de sortir le R2 beaucoup plus facilement. Ça, c'est bien. Alors, comme on peut le voir ici sur le X-Wing, ça reste quand même de belles factures. Nous avons affaire à un petit jouet avec plein de détails qui reprend bien le design du X-Wing. Les moulures plastiques sont super belles. Enfin, franchement, non, rien à dire. Comme on pourra le voir ici, nous avons des patins à l'avant, à l'arrière qui peuvent se replier avec un petit ergo. Bien pratique pour la gripper ici à la bisou. Non mais moi je suis fan des deux faces, c'est vraiment X-Wing franchement. Regardez les détails, c'est super fin ici, la ligne du X-Wing est respectée, franchement les proportions, c'est non c'est très beau. Nous pouvons le passer en mode hop d'attaque, c'est un X-Wing et voilà d'où il tient son nom, cette forme X des ailes. Allez, leader rouge, on passe en position d'attaque. Jusqu'à présent, je m'étais jamais vraiment lancé dans le Star Wars, bien qu'étant fan, parce que c'est une licence qui peut vraiment vous happer. Mais là, cette gamme, pas trop chère, tout est relatif, mais quand même, ne tient pas trop de place sur l'étagère. Et surtout, elle est super bien détaillée, super fine, ça, je kiffe. Je vais pas vous embêter plus longtemps, c'est vraiment une petite gamme qui mérite d'être découverte. Je sais pas combien de temps elle va rester en rayon chez Jouet Club. Je ne sais pas si elle sera suivie. Aux États-Unis, apparemment, ils se préparent une deuxième série de véhicules, dont le Snow Speeder. Non, franchement, moi, je vais craquer pour encore 2-3 autres modèles. Donc, attendez-vous à voir quelques reviews encore à venir. Hop! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça me donne envie de faire des petits films.